اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين، أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on va écouter une vidéo ensemble. Je l'ai pas encore décrypté. Donc apparemment le titre c'est un imam qui prie dans une mosquée la salat al-fajr et il entend derrière lui, d'accord, des gens dire Amin alors qu'il n'y a personne. Ça a l'air d'être flippant tout ça. Bismillah. هذا أخونا فؤاد من اليمن. فؤاد درس في ثانوية الكويت. Donc il explique que c'est quelqu'un du Yémen qui s'appelle Fouad et qui avait étudié le secondaire au Yémen, donc il a fait le lycée au Yémen. Au Koweït, excusez-moi. Au Koweït, انت كنت موجود فيها وشافني في ثانوية الكويت في صنعاء. المهم فؤاد درس البكالوريوس في صنعاء. Et il a passé son bac, si je me trompe pas, parce que bon les termes en arabe, au Yémen. صنعاء exactement. بعد ما خلص دراسة البكالوريوس في صنعاء طلب العلم على بعض المشائخ المرموقين والرائعين في صنعاء وتتلمذ وواضح عليه أثر العلم سبحان الله في طريقة كلامه. Et donc quand il a fini son bac, il a étudié donc chez des savants auprès des cheikhs au Yémen et il dit ça se voit que c'est vraiment un étudiant en science. المهم هو من أهل محافظة اسمها ريمة. محافظة ريمة يا جماعة الخير هي قريبة من الحديدة، يعني في المسافة ما بين صنعاء والحديدة على الطريق ريمة محافظة. Donc lui d'une région qui s'appelle Raïma, donc c'est une région du Yémen. Donc je ne vais pas citer les régions parce que de toute façon je ne connais pas ces régions-là. وهو كان يسكن في قرية. يقول كنت أسكن في قرية وكان عندنا مؤذن اسمه أبو صالح. يقول المؤذن هذا أبو صالح من الصالحين، رجل صالح الله يغفر له يرحمه يجعله في عليين. يقول رجل يعني دهينة الجنة مثل ما يقولون. Donc lui il habite dans un village et Fouad donc ce yéménite il prie dans une mosquée où il y a quelqu'un qui fait l'adhan, un mu'adhan, et il dit c'est quelqu'un vraiment de très pieux, vraiment quelqu'un de comme on dit quelqu'un de vraiment de hlou. راعي صلاة وذكر وتسبيح وتهليل. Quelqu'un qui fait ses prières, qui fait du dhikr, qui lit le Coran, ainsi de suite. يقول كان هو يذن وكانت الإمامة عندي كنت أنا أصلي بالناس. يقول وبعدين توفى أبو صالح الله يغفر له يرحمه المؤذن. يقول فكنت أنا أروح للمسجد، اسمعوا يا جماعة، يقول أنا كنت أروح للمسجد في الثلث الأخير من الليل وأذن الأذان الأول. Donc lui, le Fouad, il faisait l'imam de la mosquée. Et donc Abu Saleh faisait l'adhan. Abu Saleh est décédé, rahimahullah. Donc l'imam Fouad, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à la mosquée au dernier tiers de la nuit pour faire l'appel à la prière du premier adhan. Vous savez que le matin, il y a deux adhan. Donc le premier adhan pour préparer les gens à la salat al-fajr, les réveiller un peu avant, ceux qui font des prières de nuit. Et donc lui, il se rend donc à la mosquée, il fait l'adhan et il reste à la mosquée entre les deux adhan. تعرفون الأذان الأول لتنبيه الناس الفجر. يقول أذن الأذان الأول. يقول ثم أجلس أتسنن في المسجد. يتسنن في المسجد حتى لو أراد أن يصلي صلاة الليل يا جماعة. شفع شفع وبعدين وتر يوترها. Donc il reste comme j'ai dit entre les deux adhan afin de faire des prières supplémentaires, ce qu'on appelle qiyam al-layl, et ensuite il clôt toutes les prières de nuit qui sont maintenant par deux rak'a, c'est comme ça qu'on prie la nuit. Et on finit par al-witr qui est une seule unité. D'accord. Le prophète faisait 11, 13 rak'a selon les riwayat. المهم يقول كنت اتسنن اتسنن اتسنن. يقول المهم جاء اذان الاذان الثاني اللي هو الرسمي. يقول فاذنت الاذان الثاني. يقول لما اذنت الاذان الثاني قعدت في المسجد. أذكر الله أنتظر
المأمومين يجون. يقول ما جاء حد. يقول Donc il est resté à la mosquée, donc il a fait son qiyam, et ensuite il a fait l'adhan, le deuxième adhan, pour que les gens puissent venir pour prier al-fajr. Il n'y a pas beaucoup de temps entre le deuxième adhan, normalement, et la salat al-fajr, ça va dépendre des mosquées. Et il dit, donc il attend les fidèles, mais il dit, subhanallah, ce jour-là, personne n'est venu. Donc il attend un quart d'heure, 20 minutes, toujours personne. أعوذ بالله يا أخي. Dis c'est quoi cette histoire? Personne n'est venu, il n'y a personne qui s'est réveillé. يقول قمت أذنت ثاني مرة. Donc ce qu'il fait, subhanallah, il refait encore l'adhan une seconde fois. Donc ça fait en fait trois adhan en tout. وشغلت وتأكدت من تشغيل مكبرات الصوت. يقول أذنت. Il a fait attention à ce que comment dire les baffes fonctionnent bien, d'accord? Qu'il n'y ait pas de problème de son en fait. وبعدين يقول من شدة الحماس وضيقة الصدر قلت آخر شيء يا جماعة تعالوا صلوا يا جماعة الخير تعالوا صلوا ضايق صدره إنه بيصلي الحالة مسكين. Donc comme il voulait pas prier tout seul, il commence à dire comment dire au mégaphone oh les gens venez prier à la mosquée. يقول ما جاء أحد. يقول أقمت الصلاة شغلت مكبرات الصوت وأقمت الصلاة وبديت أصلي. Donc personne n'est venu, donc il a décidé de faire la prière, il a commencé, il a fait l'iqama, il a donc branché une sorte de mégaphone ou le micro, et il a commencé donc à prier. Donc il récite la fatiha. Et quand il arrive à la fin de la Fatiha, à ce moment-là, il y a la mosquée qui se met à trembler. Toute la mosquée, il y avait plein de personnes qui disaient Amin. يقول والله يا ابو احمد كانك في صلاه جمعه. يقول شفت صلاه الجمعه اذا امنوا الناس. يقول والله العظيم ارتج المسجد بالتامين. يقول Et ce frère la Fouad, il jure. Donc il dit Abou Ahmed, je pense que c'est le frère. Il lui dit, c'est comme si c'est, on était en pleine Jumu'ah. Donc au début, il a un peu panique, c'est normal. Et ensuite, donc il a décidé de continuer à réciter. Midi, il a senti, subhanallah, comme une sakina, comme un apaisement. Et il a continué donc à réciter le Coran. Donc il prie la première raka'a, donc il finit la sourate. Ensuite, il s'incline, il se relève, il fait son premier sujoud, ensuite le second sujoud, et il se relève pour la seconde raka'a, le fajr, il y a deux raka'a, comme vous le savez, et il va donc re-réciter encore une fois la fatiha pour la seconde raka'a. يقول ولا حسيت بشيء ولا خفت ولا ارتبكت. يقول في سكينة جت في قلبي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها. Donc il récite la Fatiha et quand il arrive à Waladdallin, il entend pareil la mosquée pleine de personnes qui disent Amin. Il y avait tellement du monde que la mosquée elle tremblait. Il disait mais alhamdoulilah cette fois il a pas eu peur en fait. Il ressentait une paix intérieure, la sakina, et il a continué donc à réciter. Au contraire, il se sentait à l'aise. يقول المهم سلمت. يقول يوم سلمت والله ما جرؤت إني ألف. طبعا المسجد منور يا جماعة مشغل أنوار. هو يقول ما جرؤت إني ألف. يقول قعدت أسبح 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 وهلل. يقول وبعدها بفترة لفيت. يقول يوم لفيت ما في أحد. Donc il dit quand il a fini la prière, il a pas osé se retourner, donc il est resté à sa place. D'accord. Donc face à la Qibla, et il a commencé à faire donc son dhikr, d'accord. Et ensuite, quand il a fini son dhikr, il s'est retourné. Bon, la mosquée était éclairée, mais il dit, il n'y avait personne. Il dit,
يقول نسبة الأدرينالين ارتفعت في جسمي، يقول نبضات قلبي زيادة. يقول Donc et ensuite, il est, quand il s'est retourné, il n'y avait personne, il a commencé à être pris de panique et il ne pouvait pas se lever. C'est comme si, il avait une douleur au genou et son taux d'adrénaline est monté et son cœur a commencé à battre, à battre, à battre. Il était, c'est comme s'il restait, il est resté bloqué. يقول قعدت أسبح وهلل، يقول حتى ارتفعت الشمس. يقول بعدين يوم سمعت صوت الناس، يقول لأن المسجد بجانبه سوق، يقول يوم سمعت أصوات الناس يقول وأتجرأ وأقوم. Donc il commence à, ses genoux tremblaient, il a commencé à trembler et donc commence à faire du dhikr, du dhikr, du dhikr sans s'arrêter jusqu'au lever du soleil. D'accord. Donc la mosquée se trouve à côté d'un souk. Donc, quand le soleil s'est levé, les gens ils sortent, les commerçants, les gens viennent acheter, ils sortent, ils travaillent, ainsi de suite. Donc, il y a du monde. Et en fait, ça l'a encouragé pour se lever. Ana raddit alayhi sarahatan, wa qult lahu, qult ya akhi, la'alla hadhi karama min Allah subhanahu wa ta'ala lak, ala hirsak ala as-salat. Ya akhi rayih fi ath-thuluth al-akhir lil masjid. Fi ath-thuluth al-akhir ya jama'at al-khair yruh lil masjid. ويؤذن ثم يؤذن للأذان الأخير والناس ما تأتيه ويحترق قلبه فلعل الله سبحانه وتعالى صرف له جماعة ما أدري منهم هم أنا ما أستطيع أحدد لكنهم مكلفين مكلفين بالصلاة صل... Donc il dit voilà, il dit le frère Abu Ahmed lui a répondu, il a dit peut-être que c'est un bien. Peut-être que Allah Azza wa Jalla, comme il a vu que toi t'es parti à la mosquée, dernier tiers de la nuit, en plus t'étais seul, c'est toi qui as fait l'adhan, et le fait que t'as vu personne se présenter à la mosquée, ça t'a fait du mal. Peut-être qu'Allah Azza wa Jalla a voulu te récompenser par un groupe qui est venu prier avec toi, des gens qui pour eux, la prière est obligatoire. Donc ils sont mukallafoun, donc c'est des gens à qui la prière, l'adoration est imposée. D'accord. Donc il dit, je ne peux pas exactement définir qui, mais on sait que Ali Taymi doit penser aux djinns musulmans. الله معه وأحس بشعور الجماعة أنا ما أقدر يا جماعة الخير أقول أنها حسبت صلاة جماعة أنا ما أستطيع أفتي في دين الله لكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن Donc Ali Taymi il dit bon je peux pas dire s'il aura l'ajar du groupe c'est considéré comme une prière de groupe mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un verset du Coran Donc il dit, lorsque nous t'avons envoyé vers toi au prophète, alayhi salam, un groupe parmi les djinns, yastami'un al-Qur'an, qui viennent écouter le Coran, comme ça arrive au prophète. Il y a un groupe de djinns qui est venu écouter le Coran de la part du prophète, alayhi salam. فلعل الله سبحانه وتعالى صرف له مجموعة منهم يصلون ويحضرون معها الصلاة ويعمرون المسجد الذي لم يعمره الإنس. يقول... Il dit peut-être que Allah Azza wa Jalla décide d'envoyer des djinns remplir la mosquée, alors que les humains eux-mêmes n'avaient pas rempli donc cette mosquée-là. Allah subhanahu wa ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salat. Allah yaj'alna wa iyyakum min al muqimin lis salat hatta nalqa subhanahu wa ta'ala wa huwa radin 'anna. Amin. Donc là il cite le verset dans la mosquée Allah azza wa jalla dit qu'il y a des hommes qui sont présents dans la mosquée, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne se soucient pas de vente ou de commerce sur l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et puis il dit qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens qui prions jusqu'à, Inch'Allah, notre mort, et nous puissions rencontrer Allah Azza wa Jal en étant des gens qui prient, et si possible, Inch'Allah ta'ala, qui prient aux heures bien déterminées. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, j'aime un partage. Je ne sais pas quoi en penser, je pense que ça peut arriver, je suis sûr que ça arrivait même à plusieurs reprises, des cas comme ça, parce que parmi les djinns, il y a des djinns qui sont musulmans, certes on ne les voit pas, mais c'est possible qu'Allah Azza wa Jalla, à certains moments, il y a des interactions entre les deux mondes, et puis on puisse les entendre, ou parfois même les voir. On sait qu'il y a des djinns qui viennent assister à des doros de savants, par exemple des discours de savants, ça on le sait. Il y a des djinns qui viennent aider certains, sans les solliciter bien sûr, qui viennent, bon il y en a qui les sollicitent, mais moi je parle des personnes qui ne les sollicitent pas, qui viennent aider des fois les raqis lorsqu'ils font une ruqya.
Il peut y avoir, il y a aussi des djinns qui aident les musulmans lors de batailles, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Il y a énormément d'interactions comme ça parfois entre les djinns musulmans et les musulmans. Et tant que c'est pour le khair, le bien, tant que c'est pour la sauvegarde de l'islam, tant que c'est pour l'adoration, c'est une bonne chose. Et bien sûr, c'est une chose que on va pas solliciter, ça se fait de manière naturelle et c'est Allah qui décide. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires un j'aime, un partage. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie. Salam à tous.